Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jessica Thibenin. Si vous suivez Jessica, vous devez savoir que son fils Mylon est né avec des problèmes de santé et qu'il a dû se faire opérer à la naissance. Et elle annonce que Mylon doit subir une nouvelle opération chirurgicale que je vous laisse découvrir dans la vidéo. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai mon mari et mon fils qui sont partis, enfin qui partent là à l'hôpital. Parce que mon fils a rendez-vous sur le test Covid de pouvoir passer demain matin au bloc. Voilà, rien de grave. Je vous explique, c'est qu'en fait, on voulait le faire circoncire quand il était bébé. Et c'est vrai qu'il avait tellement de problèmes, il avait tellement de tuyaux, de câbles, de partout. Enfin, voilà, il n'a pas eu un début facile qu'on l'a laissé tranquille avec ça. On s'est préoccupé de l'atrésie, de tous les problèmes qu'il y avait autour, de la trachéomalacie. Et maintenant, il est grand, il va mieux. Et du coup, on veut le faire circoncire avant qu'il soit trop grand non plus. Donc là, il est encore petit. Donc je pense que c'est le bon moment. Voilà, mais sachant qu'il va bien, qu'il est en pleine forme, qu'il a plus tous ses problèmes, que ça va de mieux en mieux, qu'il a plus les dents, donc il est bien. On a laissé passer toutes les étapes un peu compliquées et pour ne pas en rajouter une couche à ce moment-là. Et voilà, de toute façon, ils m'ont dit l'opération elle dure 20 minutes et puis il aura pas mal, c'est rien, c'est une peau toute fine, ils m'ont dit, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc je suis contente de le faire enfin. On avait déjà rendez-vous il y a quelques temps, finalement ça s'était annulé il y a 2 mois. Enfin bref, on arrivait du mal à avoir ce rendez-vous. Donc là, ça y est, ça fait 3 mois, on est en train d'essayer de gérer ce rendez-vous et je voulais le faire avant d'aller en France. Donc c'est parfait, ça tombe à pic. Voilà les amis. Et s'il vous plaît, ça ne sert à rien de juger. Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Chacun décide. Voilà, nous, c'est pas une question de religion, mais c'est une question de propreté. C'est une question que, voilà, on a voulu à mon mari faire comme ça. Et c'est mieux. Donc, c'est mieux ou pas. Enfin, pour nous, c'est mieux et on veut. Voilà les amis. Donc, chacun respecte les choix des autres. Merci.